Les amis, oui, bienvenue au Mexique pour le voyage de rêve de Mélanie. On va faire un Instagram contrôle notre vie, version extrême, version soft. C'est vous qui allez décider dans la première story. Mais avant ça... Ah, oh, je suis éclaté. Premier Instagram contrôle notre vie, vous allez décider si on fait un Instagram contrôle notre vie version extrême ou version soft. C'est vous qui décidez. On connaît un petit peu la réponse. Clem, il va répondre au sondage. Extrême ou version extrême. On est foutu. Moi, j'ai pas envie de faire un truc trop extrême de ouf, tu vois, parce que je suis un peu une flippette, tout le monde le sait, je chiale tout le temps. Ah mais c'est toi le 8% là. Vous avez fait l'unanimité, on sait que c'est la signature de la chaîne. Avec tout ce qu'on a fait, toutes les folies qu'on a fait, Instagram contrôle notre vie version extrême. On est dans des cénotes, dans plein de cénotes. Et là, il y a une espèce de tyrolienne géante où tu arrives et tu sautes. Je vous explique, moi je le sais pas, c'est trop mort, genre j'ai beaucoup trop peur de ce truc là. Qui de Clément ou moi fera une sortie double salto arrière sur la tyrolienne? Tu as déjà fait un double salto arrière dans ta vie? J'ai jamais osé envoyer un double quoi que ce soit, même dans une fosse à mousse, gros. Bande de fous, vous avez voté pour moi là. Il a intérêt d'être ici, sinon je te quitte. Ok. Même si je me suis tapé un bon gros plat tête, il y a Clem qui a aussi voulu tenter le salto. Allez, Viking! Mais je crois qu'il aurait pas dû. Il a fait un plat du dos. Oh, je me suis éclaté. Oh, plus jamais. Nouveau petit sondage. Est-ce que Clément se fait des tresses dans ce style-là? Rose ou orange? Voilà, à vous de décider. Antoine ne part jamais avec eux. Too much cry. C'est aussi long. J'ai une idée. Est-ce que je saute de cette berge à cette berge? Telle est la question. Bien sûr qu'ils vont vouloir. C'est quand même super loin. C'est loin, ouais. Ouais, c'est bon, t'as réussi. Celui-là, il va être plus grand par contre. Fallait s'en douter, hein. Bon les amis, si je me fais les deux tibias, vous allez avoir mes tibias sur la conscience, je vous le dis. Ça commence déjà. 3, 2, 1. Et vu que je suis jamais satisfait, forcément j'ai voulu retenter. Mais j'aurais certainement pas dû. On vient d'avoir une idée, la communauté va voter. On va faire une vidéo avec Clem, on va devoir survivre soit dans la jungle, soit sur la plage. C'est vous qui décidez. Les amis, ça va être la vidéo la plus extrême de notre chaîne, je pense. The jungle. Du coup, on s'est renseigné auprès des locaux pour savoir s'ils pouvaient nous emmener dans la jungle. Mais apparemment, c'est impossible. No tour. Et quand on leur a dit qu'on voulait quand même y aller, même si c'était dangereux, ils nous ont pris pour des gros fous. Ok. Mais en attendant, on a dû préparer l'expédition. Ok, donc là, on est en train de faire des petites emplettes parce qu'on a besoin d'un chapeau et de t-shirt manches longues. T-shirt in the manche here. Clément, il hésite entre le rose, là. Et dans la jungle. Pour original, aller dans la jungle. Ou alors, un truc, mais ça fait expédition aquatique. Forcément, ils ont voté rose. Mec, t'imagines forcément quelqu'un comme ça dans la jungle? Oh putain, mec, t'as la dégaine. Oh, j'adore. Je vous aime, la commu, on vous aime. Il nous manquait qu'une seule chose, l'outil le plus important quand tu vas dans la jungle. Do you have machete? Si t'as envie de voir l'expédition, on a sorti une vidéo entière où Clem nous a fait peur plus d'une fois. C'était à mourir de rire. Il y a Clément qui vient d'avoir une idée. On est en train de manger du poisson. Qui de nous trois va devoir manger l'œil du poisson? Ça me dégoûte. Elle a marqué dans les commentaires, votez Clément à fond. Et là, t'es en train de regretter, non? Celui qui va devoir manger l'œil du poisson, il va vomir, c'est sûr.
on sait pas si on peut manger des yeux de poisson ou quoi, tu vois, genre personne mange ça. Du coup je suis en train de regarder sur internet et je vois ce parasite s'installe dans les yeux des poissons pour prendre leur contrôle. Ouais, ça sera plus Instagram contrôle notre vie, ça sera le parasite contrôle notre vie. C'est celui qui a proposé le challenge qui mange non, dans les yeux. Ah, il est tout gluant. Faut absolument que tu le croques, hein. Parce qu'apparemment il y a du jus à l'intérieur, c'est comme les chocolats à la liqueur, tu sais. Tu croques, hein. Oh, c'est dégueulasse. Attends, mais j'ai écouté à l'intérieur. Remonte. Non. Tyrolienne extrême. Là, on va survoler une cénote immense tout en haut de la tour. Est-ce que Mel fait la grande tyrolienne qu'il y a derrière nous, les yeux bandés? Attends, je transpire de ouf là. Ok, let's go. 1, 2, 3, let's go. Y'a le papier qui lui a touché les jambes. Je savais pas où j'étais, mec, c'était horrible. Ouais. D'ailleurs, ça me rappelle un truc, c'est que l'un de vous deux va devoir essayer. Non, non, on va pas mettre le truc en de toutes les couleurs là. Non, non. On va nous appeler des tritons après dans les commentaires. Ah, ça va, on va. Est-ce que tu veux filmer une espèce très rare du Mexique? Vas-y. Le pingouin mexicain. Hashtag Charles le Triton. Non, mais pas ce hashtag, s'il te plaît. Vous avez vraiment voulu ça là, je vous jure. En fait, la petite sirène, c'est mon mec. On vous l'a jamais dit. On se prépare à aller faire notre sport. Et ne me demandez pas pourquoi Clément a ramené ça de la France. Est-ce qu'on le met pendant une séance de sport par 30 degrés au Mexique qu'on va faire là dans pas longtemps, ou est-ce qu'on le met au retour à l'aéroport et dans l'avion, etc. pour passer les douanes? Personnellement, je préfère l'aéroport. Par contre, imagine, on passe pas la douane. Évidemment, vous avez choisi l'aéroport. Donc restez jusqu'à la fin parce qu'on va vraiment se taper la honte. En attendant, on est arrivé à la salle de sport et regardez ce qu'on a trouvé. L'eau est à 2 degrés, à l'extérieur il fait 30 degrés, donc le choix est simple. Soit nous devons faire un bain froid et immerger la tête, soit nous devons faire sans traction. Sans traction, ça peut être très très drôle, surtout qu'on a Ninja à la fin du mois, donc votez sans traction, s'il vous plaît. Oh, ça merde. 3, 2, 1. Wow. Où ça rafraîchit. Le choc thermique. Allez, vas-y, à toi. Le dernier, on a la serviette mouillée, je vous le dis. Non, c'est ma serviette, ça. Mais elle est sérieuse. C'est ma serviette. Oh, enculé. Oh. Allez bébé, vas-y. Merci les abonnés, on s'en revitalisé là. Ah, moi je les remercie pas. C'est le jour du départ. Là il y a un petit plongeoir les amis, oh, ça mec. Sent les Instagram contrôle notre vie. Oh mec. Avec Clément, est-ce qu'on fait un plongeon tête la première? Donc ça c'est assez violent de s'y mettre. Ou est-ce qu'on fait un salto n'importe lequel? C'est vous qui décidez. Ah là là, qu'est-ce qu'elle veut pas cette communauté? Elle veut ta mort Clément. T'es en réveil là. Courage mon gros. Il a failli faire un deuxième plat sur le dos. Alors, du coup, petit Tiguan, qu'est-ce que t'en penses? C'était bien? Parfait. 3, 2, 1. Ah, trop clean. Yes, trop clean. T'en as pensé quoi? Une note sur 10. C'était de la merde. Bon, les amis, on est sur le départ. Allez, enfile le Chewbacca, arrête de procrastiner. Mel à l'entrée de l'aéroport, moi je le porte dans l'avion pendant 12 heures. Et Charles, il se sera apparu à l'aéroport. Mais je vais crever de chaud là, en fait.
avec les sandales roses, y'a rien qui va. Tournage des futurs Star Wars. Et bah voilà. Je me demande comment il est dans ma susu. Ça va? Oh là là, bah c'est le carnaval. C'est magnifique. T'as vu, je suis beau, hein. Abonnez-vous.